Faites la rencontre de Alpha dans Escale à Yokohama, le manga de Ashinano Itoshi qui se décrit comme une ode à l'instant présent. Escale à Yokohama nous raconte l'histoire de Alpha, un robot à l'apparence d'une jeune femme qui tient un petit café à l'écart de la ville. En attendant le retour de son maître, elle observe le monde et profite de chaque instant avec ses rares clients. Ce titre est juste beaucoup trop chill. On y observe le personnage de Alpha, ses rencontres et la richesse de tous ses moments. Alpha est d'une douceur qui ne laissera personne indifférent. Nous partageons sa joie, sa nostalgie et ses autres émotions comme si nous y étions. Ce qui m'a le plus marqué dans cette œuvre, c'est les paysages. Ashinano Itoshi nous fait ressentir tellement de choses à travers des paysages pourtant très simplistes. Il jouera également sur nos émotions en alternant entre le point de vue d'Alpha et celui d'un autre. Chaque rencontre avec Alpha est une agréable surprise et vous verrez qu'on s'attache très vite à ce personnage très humain. Nous tout autant que cette poignée de personnages récurrents. D'ailleurs, en parlant des personnages secondaires, mention spéciale à l'énigmatique Misago. Pour moi, Escale à Yokohama, c'est une œuvre à lire absolument. C'est beaucoup plus qu'une agréable surprise. Mettez un peu de paillettes dans vos vies et profitez de l'instant présent.